Présente le setup Tradobull. Regardez, lorsqu'il y a une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure sans toucher cette Bollinger supérieure, généralement on est à la fin du mouvement haussier et derrière, eh bien ça consolide. Ça s'est passé ainsi le 16 février, ça s'est également passé ainsi un petit peu plus tard, le 11 décembre, quasiment à la fin du mouvement haussier avant une grosse consolidation. Et regardez, cela vient de se produire aujourd'hui. On va voir ça en détail dans cette vidéo. C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une confirmation de la belle séance de la veille, à savoir 2,28% confirmée aujourd'hui par une hausse symbolique de 0,08%, comme pour faire un pied de nez à ceux qui anticipaient un prompt effondrement suite à cet excès de vendredi. Il n'en a rien été pour l'instant. En tout cas, on remarquera plusieurs choses. 1. On est toujours dans la résistance grise ici, qui est une résistance hebdomadaire. Je vous rappelle que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Normalement, les unités de temps inférieures se plient devant les unités de temps supérieures. Et pour l'instant, regardez, hein, on est toujours sous résistance. Alors, il est vrai qu'avec des indices américains qui inscrivent des records historiques, de même que les indices mondiaux, il y a peu de chances pour que le CAC 40 échappe à cette dynamique, mais pour l'instant, si on regarde strictement les résultats, on est toujours sous résistance. Ok, donc au-delà, les bougies sont assez significatives également d'une incertitude. La bougie d'aujourd'hui est une bougie d'hésitation avec un petit corps mèche haute, mèche basse. Ça veut dire clairement hein, qu'on a bataillé toute la séance pour clôturer sur des niveaux proches des niveaux sur lesquels on a ouvert. Bref, de l'indécision. Néanmoins, vous êtes, enfin certains d'entre vous sont beaucoup plus réactifs que moi. Je suis content de voir que quelque part, hein, eh bien, votre enseignement évolue et que vous avancez, puisque j'ai oublié de le signaler, on avait un premier bloc vert, three line break, c'était vendredi, et on sait très bien statistiquement qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir la bougie suivante qui est verte plutôt que rouge, et ça s'est fait. Donc ça, désolé, c'est un peu tard pour vous le signaler, mais en tout cas ça montre au moins l'efficacité hein, de cet outil d'analyse technique. Les éléments techniques autres, eh bien, attendez, je vais remettre les bougies à Ikinashi, enfin les chandeliers japonais. On remarque que la moyenne mobile à 7 jours et ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours et ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond est également haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On a des éléments ici alors le super train également, ça j'en ai parlé par contre dans la précédente vidéo, j'avais dit que lorsque le super train était cassé à la hausse, comme ça a été le cas sur la bougie de vendredi, il était extrêmement plus plausible que l'on ait plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et là pareil, vous voyez, on a fait les plus hauts, même si ce sont des plus hauts qui sont anecdotiques pour l'instant. Tous les éléments techniques que j'ai mentionnés vendredi ont déjà produit la moitié des effets escomptés, à savoir, je vous avais expliqué qu'on avait eu le MACD et puis d'autres choses qui avaient délivré un signal et que ça invitait à considérer des plus hauts. Et bien, ça y est, c'est fait aussi. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau, c'est l'Awesome Oscillator. Alors, ça va être un petit peu compliqué ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous demande de vous concentrer si vous êtes débutant, parce que ça va être un petit peu, ça va dans tous les sens, mais je vous assure, ça vaut la peine. L'Awesome Oscillator vient de délivrer un signal haussier. Okay, il vient de passer au-dessus de la ligne des zéros. Et j'ai donc décidé de backtester ça et regarder ce que ça donne. J'ai essayé de coller le mieux possible à la situation actuelle en regardant que les signaux haussiers comme celui qu'on vient d'avoir, mais qui se produisent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire quand la tendance de long terme est déjà haussière, ce qui est le cas aujourd'hui. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ce signal-là, je n'en ai pas tenu compte, puisqu'au moment où il s'est produit, okay, là, même s'il a bien fonctionné, on était en dessous de la M200. Et là, j'ai regardé que les choses qui se produisent au-dessus de la mobile à 200. Donc là non plus, je n'avais pas tenu compte. Si là, par contre, j'en ai tenu compte. Par contre, je raconte n'importe quoi, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas mis. J'ai oublié de le prendre, celui-là. Je vérifie. Oui, oui. C'est d'ailleurs un échec. Bon, je referai mes petits calculs. Mais l'idée est la suivante. D'abord, prendre un exemple qui a bien fonctionné, qui est celui-là. Ok, regardez, l'Awesome Oscillator. Si vous n'avez pas l'Awesome Oscillator, ce qui est quand même hautement plausible, vous pouvez télécharger gratuitement la plateforme PRT en dessous de la vidéo. Hein, ça vous donnera l'outil et le temps réel sur les actions. Bref, regardez ici, donc lien en dessous de la vidéo. Là, vous avez donc le signal qui a été donné ici. J'ai mis 2 pouces verts parce que si on met le stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, bon, clairement, ça veut dire quoi? Le cycle baissier de l'oscillateur, c'est de là à là. Le plus bas entre là et là, il a été atteint sur cette bougie-là. Donc ça, c'est mon stop de protection.
Et si on regarde en moche entrée, c'est-à-dire ici, on voit que on n'est pas allé chercher le stop de protection qui était donc à moins 5,52 avant que de faire au moins la même distance au stop de protection. Vous voyez, on a fait 12-12, donc on a même fait deux fois plus, mais ce n'est pas la question. Je voulais simplement regarder si on faisait au moins une fois la distance de stop de protection, et la réponse est oui. C'est le sens du deuxième pouce vert. Le premier pouce vert ici, ça veut simplement dire qu'on a au moins fait une clôture au-dessus de la bougie de signal avant que d'aller déclencher le stop de protection. Donc a fortiori, oui. Mais par contre, là, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Là. Si on met le stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de l'Ossom oscillateur, qui est donc, je l'ai dit, hein, le signal a été donné ici, stop de protection à moins 7,48, on a fait au mieux 3,20 avant de déclencher le stop de protection. Alors, le stop de protection, il est là, bon, ok. Mais on a déclenché le stop de protection, mais avant on n'a fait que 3,20. On n'a pas fait 7,48, mais vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on a fait un pouce vert, dans le sens où il y a au moins une séance au-dessus, un gain. Par contre, on n'a pas fait une fois la distance stop de protection. Parfois, c'est l'horreur, comme juste là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Et ça a été le signal en fait de la baisse. On n'a ni fait une clôture au-dessus de la bougie de signal, ni encore moins la distance stop de protection. Donc c'est pour ça qu'il y a deux pouces rouges. Okay? Donc maintenant, je vais faire défiler. Et j'ai fait le test, je suis remonté jusqu'en 2017 pour trouver, vous voyez, tout ce qui se passe ici, je n'avais pas tenu compte, même si ça a fonctionné, parce qu'on était en dessous de la M200. Hein. Donc je fais progresser la SAI. On l'a déjà fait, donc ça fait 31 occurrences. J'en avais fait 30, mais j'en avais oublié une, donc ça fait 31 occurrences. Et voilà les conclusions. Est-ce qu'il est envisageable à partir du moment où on a eu le signal, c'est-à-dire aujourd'hui, de faire au moins une clôture au-dessus de la clôture du jour, donc 7645, avant que d'aller déclencher le stop de protection qui est donc à moins 4,71. La réponse est oui, très largement oui, puisque comme vous pouvez le constater, alors je reprends un petit peu mon calcul, parce que donc on a eu 27 échecs et 4, 25 succès et 4 échecs, donc ça fait une probabilité de 87%. 87% pour qu'on n'ait pas terminé de monter, clairement. Donc, avis à ceux qui voudraient spéculer à la baisse maintenant. Okay? Normalement, on devrait monter encore à un moment ou un autre. Est-ce qu'il est envisageable de faire une fois la distance au stop de protection? Et là, c'est un petit peu décevant. Okay? C'est du fait que nous soyons au-dessus de la M200, clairement, dans ce cas-ci, puisque sinon, on a déjà été testé avant et c'était plus flatteur. Donc 4,71 vers le haut, la réponse est que c'est une chance sur deux puisque ça a fonctionné ainsi 16 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 16 divisé par 31, vous avez un taux de réussite uniquement de 52%. Okay, donc c'est aléatoire. Alors ça c'est le premier élément à prendre en considération. Okay, oui, il est possible que l'on monte, mais il n'est pas dit que l'on monte beaucoup avant de redescendre chercher les 7280. Ou encore si vous préférez, attention parce qu'on a une chance sur deux de faire revenir sur les plus bas ici. Okay, c'est-à-dire moins 4,62 avant de faire plus 4,62, ça veut dire ça aussi, hein, donc méfiance. Non, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler des bandes de Bollinger, parce que si vous êtes des habitués de mon travail, vous savez que c'est un des trucs que j'ai modestement découvert, et ça serait dommage de ne pas vous en pas en tenir compte. Ça s'appelle un setup tradobulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une bougie entière, sans contact du tout avec la Bollinger supérieure. On est au-dessus, en apesanteur, comme dans une bulle. Okay? Comme une bulle de champagne, si vous voulez, ou de bière, si vous êtes du Nord. Et je suis du Nord. Et donc, à partir de là, on a plus de chances, vous allez voir, de connaître une progression vers le bas violente que dans d'autres cas. Alors, je vous montre un exemple. Alors, comme par hasard, le dernier n'a pas bien fonctionné, c'était celui-là. Voyez, regardez. Je vais pas de backtester parce que j'ai déjà testé quelque chose, mais regardez là. Bon, là, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'on a réintégré les bandes de Bollinger pour on est reparti. Mais derrière, vous avez très souvent une sanction assez violente, hein, comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous donner un exemple là qui a été un peu plus flatteur pour mon setup Tradobull. Voilà ici, magnifique setup Tradobull. Et derrière, boum, M20. Bollinger inférieur, c'est pas exceptionnel du tout. Je vous montre encore un autre, mais je vous invite à regarder vous-même. Mais rien ne vaut le fait de mettre vous-même la main à la pâte et de tester les choses. Il ne faut jamais croire à une analyse technique ou une analyse tout court. Il faut tester les choses et vérifier. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc c'est rare. Je vais essayer de vous en montrer au moins un autre. Ah voilà, magnifique. Là. Ça ne descend pas immédiatement, hein, mais ça veut dire que c'est sur la fin, quoi. Vous voyez, setup Tradobull, on est monté encore un petit peu et derrière, boum. M20.
et puis derrière, boum, ok? Généralement, on retourne plus haut après, mais en tout cas, il y a une consolidation et ça serait compatible avec la hausse à laquelle on a eu. Donc, ça veut dire quoi si on met les choses bout à bout? Là, ça veut dire qu'on est clairement statistiquement sur la fin. Donc, on doit avoir une consolidation. Et une fois qu'on aura consolidé, pas forcément très loin, hein. On a vu M20, c'est classique, Bollinger Inférieur, c'est plus rare. Donc si on avait quelque chose comme ça, on pourrait tenir compte après du premier test que l'on a fait pour acheter et parier sur eh bien, les plus 4,71 dont on parlait tout à l'heure. Okay, je sais, c'est un petit peu compliqué si vous débutez, mais ça donnerait vraiment un ratio gain-risque qui est intéressant puisqu'on rentrerait pendant les soldes, si vous voulez. Okay? Voilà, c'est terminé. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur mon onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'ai fait des choses, j'ai fait une analyse de LVMH, j'ai une propos de Rémi Cointreau aussi qui délivre un signal intéressant. J'ai un setup de trading qui s'est déclenché sur le CAC 40. Bref, prenez l'habitude, si vous le voulez, d'aller faire un tour du côté de ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté et vous avez encore plus de choses à découvrir que simplement dans la vidéo. Je vous rappelle que tout, mais... Ah oui, non, pardon, les trades du jour. Donc. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, ben vous l'avez compris, attendez un petit peu pour acheter parce que vous risquez d'avoir une consolidation. Et si on consolide, vous pouvez par exemple vous aider des Fibonacci pour entrer sur la M20 ou alors sur les 50% de Fibonacci puis parier sur la hausse et pas pour tout de suite. Si vous êtes baissier, vous pouvez rentrer maintenant éventuellement. Au regard de ce qu'on a dit, on est quand même sur le point de baisser. Mettez un stop de protection assez large. Okay, pas trop court parce qu'on risque de monter encore. Donc si vous visez la M20 et que vous mettez un stop de protection, voilà, par là, vous pouvez avoir un saut gain risque intéressant. Okay? Excellente journée, plein de vidéos qui vous attendent et je vous dis à demain pour la mise à jour.